Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Attention, ça veut dire tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Dans le témoin puissant précédent, nous avons découvert quelque chose de vraiment urgent et nous avons envie d'en parler ici dans cette vidéo. Nous avons tout simplement découvert que le diable Satan, il est tout simplement en train de réfléchir avec ses démons sur comment faire pour créer un péché qu'il appelle le péché numéro 1, qui va conduire beaucoup d'âmes, même l'humanité, en enfer. Vous pouvez vous dire que c'est de la blague, c'est de la frime, mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette vidéo apparaîtra soit ici ou là, ce qui est sûr, nous sommes là pour en parler. Mes frères et sœurs, ça devient compliqué cette histoire. Une histoire où on nous dit que le diable veut vraiment contrôler les humains. Et nous voulons réfléchir avec vous pour chercher à savoir quel est le péché numéro 1 qui conduit les gens en enfer. Réfléchissons juste un peu. Franchement, c'est grave. Quel est le péché qui est le plus prêché par les gens de l'industrie de la musique ou encore ceux qui font des clips musicaux? Dites-moi, mes frères et sœurs. Déjà, pour commencer, c'est que dans l'industrie de la musique, on prêche sur trois choses en général. Trois choses. Trois choses. Le premier élément, c'est le sexe. Les gens chantent pour le sexe. Le deuxième élément, c'est l'argent. Quand les gens chantent, bah, si tu vois de l'argent, on nous montre l'argent ici, l'argent là, comme si les choses de ce monde sont seulement les uniques choses que nous devons avoir. Et le troisième élément, c'est la drogue. Comment les gens vont se faire plaisir pour avoir des sensations fortes. Et ces choses sont même plus réelles que réelles. Et quand on va plus loin, on remarque que c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Mais de ces trois éléments-là, quelle est la chose même qui constitue un péché qui peut même pousser les humains dans les problèmes? C'est quel péché au juste? Des trois, quel est le plus dangereux même? Et le plus mis en valeur? Moi, je pense que le plus mis en valeur ici, c'est le sexe. Je vous parle de quelque chose. Si vous regardez la multiplicité des sites pornographiques qui sortent maintenant, vous allez pas croire. Il y a maintenant des milliards de vidéos pornographiques qui sortent aujourd'hui. Des milliards. Par jour, il y a des milliers de vidéos, des sites qui se créent. Et des vidéos qui sont postées en même temps. Exposant ainsi les humains à toutes sortes de choses mauvaises, de mauvais fruits, des choses vraiment qui vont même leur compliquer la vie, qui vont les pousser à pécher. Et le diable aime ça. Il n'y a même pas longtemps, nous faisions des recherches sur les réseaux sociaux, juste pour voir comment les choses avancent. Et c'était juste aussi pour capturer certains éléments qui nous aideront à la compréhension d'une histoire ou encore d'un sujet dont on avait envie d'aborder sur notre borne. Et là, je suis tombé sur l'image qui m'a le plus étonné jusqu'à ici. Est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce que c'est? Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce que c'est? Ce que nous allons vous dire, ça va vraiment vous étonner. Est-ce que vous savez que il existe des sextoys? Ce qu'on appelle sextoys, tout ça. Des sexes artificiels. Autrement dit, des sexes à caoutchouc. Oui. Et moi, lors de mes recherches,
je suis tombé au hasard sur cette image-là qui me présentait une star de la musique en plein concert. Elle a envoyé un sexe géant comme ça, en caoutchouc géant, en plein concert. Ah! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais what? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? J'avais même du mal à y croire. Je me disais, mais ouh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer encore aujourd'hui là? Je n'avais jamais vu un truc pareil. J'étais même surpris. J'étais même étonné. Parce que je ne pensais pas avoir cela. Et ça m'étonnait. Ça m'étonnait. C'est des choses qu'on ne peut pas le montrer ici sur YouTube. Dieu merci. Sinon, nos enfants seraient très, très exposés. Ah! Qu'est-ce que j'ai vu, mes frères et sœurs? C'est ce que j'ai vu que c'était de vous raconter ici. Mais le monde fait peur aujourd'hui. Et je vais vous dire que c'est le sexe qui est la chose même la plus répandue, que le diable publie. Oui. Regardez même comment on positionne la femme dans les clips. Regardez comment on montre la femme, comment on présente la femme, comment elle doit s'habiller, elle est comme ceci, elle est comme cela. Et même les caméras dans les clips. Les caméras sont toujours braquées sur les seins et les fesses des femmes. Tout ça, c'est pour nous amener à penser à quoi? Au sexe. Le diable veut que dans notre tête, ça soit que ça. Ça soit que sexe, matin, midi, soir, sexe. Nous allons vous dire, mes frères et sœurs, danger. Hein? C'est là même le danger. Le péché numéro un du diable est le sexe. Et le sexe prêché dans une musique, dans les clips. Voilà. Donc, ne soyez pas étonné de voir des choses assez étranges qui vont se produire. Donc, vous allez voir que de plus en plus dans les clips, il y aura des femmes nues, des femmes mal vêties, mal habillées. Et ce que le diable veut faire, il veut faire en sorte que tout ça, ça devienne normal. De sorte que l'enfant, quand il vit au monde là, il se dit que, oh, je suis venu, j'ai trouvé un monde pareil, donc je suppose que je dois marcher comme eux. C'est comme vous. Vous arrivez dans un village où les gens marchent sur un pied. Même si vous ne savez pas marcher sur un pied, vous allez faire votre effort pour marcher sur un pied. Vous ne voulez pas qu'on pense que vous êtes fou. Juste pour vous éclipser. Mais oui. Mais ici, nous devons faire attention, nous. Parce que Dieu nous a parlé d'avance, il nous a provenu de toutes ces choses. Et il nous a même dit, n'aimez point le monde ni les choses du monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. En plus, il nous a même dit qu'on n'appartient pas au monde. Nous sommes de ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Donc la manière de marcher du chrétien doit carrément être totalement différente. Je dirais même plus différent, même que différent. Parce que quand le chrétien voit ça, en principe, ça doit l'alarmer. Lui, il doit être jeûné même. Mais les chrétiens aujourd'hui ne sont plus jeûnés. Eux-mêmes veulent s'habiller de façon sexy. Même. Oui, les filles chrétiennes. Là. Oh, ma chérie, est-ce que tu me regardes? Est-ce que je suis sexy? Regarde mon bébé. J'ai mis des dents en or, mes dents en or. Regarde mon nouveau vêtement, très sexy. Regarde mes faux cheveux, mes make-up. Et les sirènes qui sont des démons, elles se moquent d'elles. Elles disent, mais vous là vraiment, moi franchement je ne vous comprends pas. Vous êtes quel genre de chrétien? Vous êtes quel genre de chrétien? C'est la sirène qui parle comme ça aux femmes chrétiennes. Mais vous là, vous êtes quel genre de chrétien? Ah, des chrétiennes qui ont des choses même qui nous appartiennent chez elles. Et elles aiment même plus que même les filles qui sont censées même aimer. Celles-là même pour qui on a créé, elles n'aiment pas ça comme ça. Mais vous les chrétiens, vous avez pris affaire là même pour charger. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous avez vu ça? C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiennes vont en enfer. Et c'est mauvais. Ce sont les témoins qui nous ont raconté ça. On nous a dit que des simples bouts d'oreilles comme ça, qu'une fille a mis sur son oreille, là, ça peut l'amener en enfer. C'est un témoignage puissant qui m'a tellement fait mal que je dois toujours en parler quand nous devons faire de telles vidéos. Qu'en pensez-vous, mes frères et sœurs? Qu'en pensez-vous?
Selon vous, quel est le péché numéro 1 du diable? Et le péché que le diable utilise vraiment pour envoyer les gens même dans les problèmes. Et quand on parle du sexe, c'est pas fou. Même parmi les chrétiens, il y a un problème qui a été passé parmi les chrétiens là-bas, mais le pasteur ne le voit pas. Peut-être que lui-même est dedans. Mais c'est la masturbation. Aujourd'hui, tout le monde se masturbe. L'autosatisfaction. La main que tu prends pour saluer les gens, là, c'est la même main que tu prends pour te faire les choses dans la douche. Après, on ne comprend pas ce qui ne va pas. Aïe, 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 aïe. Même ta mère a envie de parler. Ta mère a envie de te parler pour te dire, mon frère, je suis fatigué. Parce que ce que tu as de faire, c'est grave. Les filles vont aller s'acheter de ses pénis en caoutchouc. Ah! Vous pensez que c'est un hasard que cette star de la musique soit venue nous présenter comme ça, en plein concert, un sexe en caoutchouc? C'est pas un hasard. C'est pour inciter toutes les femmes de la planète à aimer le sexe et à se masturber aussi quand les maris ne sont pas là ou ne peuvent pas les satisfaire. Ah ah! Là même c'est vrai même. Si tu es d'accord avec ça, clique sur j'aime. Abonne-toi. Et clique sur la cloche pour t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. C'est vrai même. Moi je m'étais, je commence à comprendre que c'est vrai. Oui. Vous avez vu? Tous ces gens de l'industrie de la musique ou des gens qui y font de telles choses ne le font pas pour rien. Rien ne se fait au hasard. Maintenant toi mon frère, toi ma soeur, qu'est-ce que tu dis? Quel est le péché numéro 1 qui conduit les gens en enfer? Cherche et trouve, dis-moi ce que tu en penses. Si tu es d'accord avec ça, écris juste à partir de cette vidéo. Écris, tu as raison. Ainsi, je saurai que tu es d'accord avec cette affirmation. Sinon, réagis et dis-nous ce que tu en penses. Parce que nous tous, on veut savoir la vérité aujourd'hui. Tout ce qui nous intéresse, c'est d'aller au ciel. Ah! Au ciel, au paradis, mes frères et sœurs. Il y a tellement de belles choses là-bas qui vont rater ça. Mais regardez-vous même ça. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. On voit de ces animaux jolis, jolis dans l'eau. On ne sait même pas ce qui se passe. Imagine si c'est toi qui es dans l'eau là. Comment tu seras? Tu seras à l'aise? Alors, sois prêt. Nous allons au ciel maintenant. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. Cliquez sur j'aime. C'est extraordinaire. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Regardez comme c'est beau. N'est-ce pas beau ça? Mais c'est beau, voyons!